Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo swap. Et je suis trop excitée comme d'habitude dans les swaps. Là voici la vidéo. Je suis trop contente, je l'attendais depuis quelques temps maintenant. C'est le swap de Noël avec ma copine les papotages de Cindy. Donc Cindy, que vous connaissez déjà, parce que je pense que l'année dernière on avait déjà fait un swap ensemble, un swap de Noël. Donc n'hésitez pas à aller la retrouver sur son Instagram et sur sa chaîne YouTube. Et elle a même un blog, d'ailleurs je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Hier on s'est vu, on s'est échangé nos swaps, il est censé avoir une valeur de 50 €. Moi je crois que j'ai pas mal dépassé parce que j'avais envie de la gâter. Je sais qu'elle a eu une année compliquée, donc voilà, j'avais envie de lui faire plaisir. Donc on s'est dit voilà, une valeur de 50 € avec un produit de wishlist je crois. Et puis après que ce soit sur le thème de Noël, hein, voilà, pour rester dans le thème. Donc j'ai évidemment mis mon petit pull de Noël pour l'occasion. Et let's go pour l'ouverture du soir. Donc un petit mot doux. Donc, joyeux fête ma Karine. Hop. Et elle nous a mis des petits stickers, c'est tout. Happy holidays. C'était trop cool de l'avoir hier d'ailleurs. Donc elle m'a mis un petit mot doux. Coucou ma Karine, j'espère que ce swap de Noël te plaira. Cela fait du bien au moral pour te préparer tous ces petits cadeaux. Ça m'a changé les idées et je te remercie. Voici ton menu. Avec des numéros, trop bien. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce swap. Je te fais d'énormes bisous. Trop cool. Bah écoute, merci ma petite Cindy. Forcément, j'avais envie de faire un swap. J'ai réfléchi et je me dis, bah, qui de mieux que ma pote Cindy. Voilà, l'année dernière, ça s'était super bien passé. J'adore faire des swaps avec elle. En plus, j'adore la voir. Donc c'est trop cool. Elle a eu des petites gourmandises pour les crapouillots. Donc on va mettre ça derrière. Elle en a mis 3 petits Père Noël. Et elle leur a mis... Je savais qu'elle allait m'offrir ça. Vous allez voir, vous allez rigoler. Des petites, elle a mis des petites. Voilà, je les enlève sans vous montrer, des petites pièces d'or comme ça, ils vont adorer. Et elle a mis. Alors ça va être un peu pour moi aussi. Hein, les fameux wishlists de Noël. Ça, forcément, si vous me connaissez, vous savez. Vous savez. Hop. Après, on a donc les numéros de paquet. Et effectivement, il y a les numéros dessus. Donc les voici, les petits paquets de Noël. Trop. Cool, allez, je pose ça et on démarre. Le numéro 1, petit indice qui va te tenir au chaud à Noël. Donc ça, ce sont forcément des chaussettes de Noël. Forcément, c'est utile et c'est pratique, donc c'est trop bien. Elles viennent de chez Action et elles sont trop jolies. Celles-ci, je ne les ai pas vues. Donc en dessous, vous avez vu, c'est écrit Merry Christmas, hein, je pense. Ouais, elles sont trop mignonnes avec des petits, pingouins. Et elles sont bien hautes. Donc ça, c'est trop canon. C'est top. Parfait. Premier cadeau. Ah, le numéro 2, je cherchais. Il était gros. Je ne pensais pas que ce serait un gros. Donc c'est... Je n'ai pas trouvé celui demandé. Mais j'ai craqué sur ce lot pour toi et pour moi aussi. Celui demandé. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans ma wishlist? Je ne sais pas. J'avais mis un lot de verre dans ma wishlist. Non, je lui avais dit que je cherchais une des tasses de Noël qu'il y avait chez Action. Donc si elle avait l'occasion de le trouver, c'était une tasse de Noël Action, bah qu'elle me la prenait, ce serait cool. Mais comme elle n'a pas trouvé, je pense que c'est ça. Elle a pris des verres comme ça de Noël. Je pense qu'ils viennent de chez Action aussi. Alors je les ai jamais vus chez Action, c'est rigolo ça. Donc c'est bah, c'est cool, ça va nous servir pour Noël. C'est très sympa, ils sont trop mignons. Donc ça c'est cool, merci. C'est toujours encore une fois utile et pratique, je vais y arriver. Numéro 3, un mix de ta wishlist. Ah, ça, peut-être que c'est des produits Sol de Janeiro dans une trousse. Je dis ça comme ça au hasard. Je sais que j'avais mis des produits comme ça dans ma wishlist. Ah, trop cool! Ouais, c'est ça. Eh, c'est plutôt forte. Et c'est une gamme que je voulais tester, je pense. Ouais, c'est ça. Oh, trop cool! Parce qu'effectivement, dans ma wishlist, je crois qu'il y avait. Ce produit là, et puis après il y avait des brumes aussi de cette marque là, donc là elle m'a mis un mix, c'est trop bien, c'est trop canon, merci, ça va pouvoir m'accompagner dans mes prochains voyages. En plus elle est trop mignonne la petite gamme comme ça, et c'est une odeur que j'avais testée et que j'avais adorée, donc on va ressentir ça. Donc ça c'est le gel pour le corps, on a la brume et la crème pour le corps, on va tester la brume, ça va aller plus vite. Ah ouais, ah ouais, ah ça me rappelle un truc. Oh là là, trop bon. Alors c'est pas celle que j'avais testée, je pense. C'est une autre encore, mais qui sont encore meilleures.
et qui me rappelle des souvenirs vraiment d'enfance. C'est pas celle-ci, je pense, dans ma wishlist, ou peut-être, je sais plus, parce qu'il y a tellement de produits dans cette gamme-là qui se ressemblent, mais qui sont pas exactement la même odeur, mais elles sentent trop bon, donc je suis trop trop contente. J'ai réussi à m'en foutre partout, hein, Karine, mais c'est bon, je sens trop bon maintenant, jusqu'à nouvel ordre, c'est bon. Oh, ça sent méga bon, c'est à base de vanille d'ailleurs, j'ai vu, hein. Je vous ai pas dit, mais je crois que c'est à base de vanille. Ouais, bois vanillé et prune. Ouais, ah bah si, c'est celle-là. Bois vanillé et prune, ça sent trop bon. Une marque que tu aimes beaucoup, elle a mis bonus. Alors là, vous allez rire, je pense. Donc c'est le 4, 5 et 6. Je pense que c'est ça. Et je pense reconnaître les packagings. Parce que je viens de vous filmer un haul et j'ai craqué chez la marque Les Secrets de Loli. J'ai acheté toute la gamme parce que j'en avais plus et ça commençait à me saouler. Et j'ai tout racheté et c'est la marque que je préfère au monde pour tout ce qui est soin pour les cheveux. Et du coup, c'est bien ça. Donc elle a mis en bonus, je pense qu'elle les avait reçus, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais elle les avait reçus. Et je pense pas que ce soit pour elle parce qu'elle a pas les cheveux bouclés. Du coup, trop cool, elle m'a mis les trois produits. Mais ça c'est trop canon, merci, parce que même si je viens d'en racheter plein, je les adore, ce sont des produits que j'adore et que j'utilise. Et avec ma fille, etc., on utilise tous ici, donc c'est trop bien. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing de la marque Les Secrets de Loli. Et le lait pour les cheveux Les Secrets de Loli. Et c'est cette gamme-là, donc c'est... alors je sais plus comment elle s'appelle. C'est en tout cas cette gamme avec... il y a plusieurs gammes chez Les Secrets de Loli. Et c'est cette gamme avec les couleurs comme ça. Donc ça c'est trop, trop, trop cool. Ça, tu pouvais pas mieux tomber, même si je viens d'en acheter plein. C'est bon, j'ai ma routine pour un an là, les gars. J'ai ma routine pour un an. Le numéro 7, un soin de ta wishlist. Vu le format, ça a l'air d'être une crème. Je sais pas. Je sais plus. Mais non. Mais non, mais t'abuses là. Oh, mais elle est pas bien cette demoiselle. Elle a mis une crème Lancôme. Non, mais la crème, elle coûte 90 balles, non? Et c'est un soin de 50 euros maximum, elle abuse. Elle abuse. Donc c'est la crème anti-âge haute performance. Alors si vous avez suivi mes vidéos, j'ai acheté le sérum, vous savez, avec trois ouvertures en haut, qui a un espèce de packaging du futur là. Et j'avais mis dans ma wishlist la crème en me disant bah à l'occasion je la testerai, comme ça je verrai le combo. Le sérum j'en ai encore, donc c'est parfait. Et là elle m'a pris la crème, mais elle est pas bien. Elle était pas bien, c'est pas bien. Donc Rénergie, hein, c'est la gamme Rénergie, cette gamme là, qui est toute nouvelle, il n'y a pas très longtemps qu'elle est... donc j'ouvre, hein, parce qu'évidemment, évidemment je vais la tester, j'ai le sérum encore qui est dans ma routine et que j'aime énormément. Du coup je vais pouvoir glisser la crème avec, mais ça va pas bien, hein. Ça va pas bien madame. Au peptide, écoutez, j'ai hâte de voir si la crème elle est aussi bien que le reste de la gamme, je pense, ça va me permettre de faire la gamme entière, mais t'es une folle. Merci beaucoup, mais ça va pas du tout, hein. Donc merci, ma petite Cindy, vraiment trop trop bien. Et alors, on a déjà emballé, j'ai juste protégé, et ah, des petites bougies, évidemment, dans un swap avec Cindy, il ne peut pas y avoir de bougies. Moi aussi, je lui en ai mis, hein, forcément. J'espère en tout cas que mon swap va lui plaire. Mais là, je suis conquise, donc c'est un petit swap, mais juste ce canon, voilà, parfait. Je suis trop contente à chaque fois de faire des swaps avec elle. Et donc, voyons les petites bougies qu'elle nous a pris. Alors, je vais peut-être faire de casse. Hop. Donc, c'est un lot de 4 petites bougies comme ça, de chez Atmosfera. Oh, je fais du bruit. Il y a ambre, vanille, fève tonka et jasmin. Trop bien, en petit format comme ça, c'est trop cool pour mettre dans des petites pièces ou à côté de son bureau, quand on travaille et tout, c'est canon. Donc parfait, moi aussi je lui ai mis des petites bougies comme ça, un peu plus dans le thème de Noël. Mais trop 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 bien, on finit en beauté, donc c'est parfait. Et elle a mis au fond des échantillons et d'autres petites pièces, donc parfait, parfait, parfait. Des petites gourmandises pour moi et les enfants, donc voilà, un super swap, vraiment canon, merci ma petite Cindy. J'espère de tout cœur que mon swap te plaira aussi. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo avec le swap que je lui ai envoyé, parce que je suis sûre que vous allez être content de la découvrir. C'est une fille toute gentille, toute mignonne, vraiment un amour. Vous pouvez pas ne pas l'aimer, sinon je ne comprends pas. Et du coup, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Si vous avez réussi à rester jusqu'ici, même si c'est pas une vidéo qui sera extrêmement longue, n'hésitez pas à me mettre dans votre commentaire un petit émoticône, un petit smiley rouge.
en mode Noël. Donc soit un chapeau de Noël, soit voilà, un petit émoticône du rouge, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à nous rejoindre avec Cindy sur Instagram. Et puis je vous laisse évidemment le lien de sa vidéo. J'ai hâte d'aller voir sa vidéo et de voir un petit peu ce qu'il en est. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez être gâtés pour les fêtes. Je vous souhaite à tous et à toutes, de joyeuses fêtes de Noël. Profitez bien de vos proches, de votre famille. Soyez un petit peu gâtés, gâtez vos proches aussi. Profitez bien de cette période pour passer à l'année 2024 qui sera pour moi et pour Cindy, je pense, l'année du changement. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut !